À Aulnay-sous-Bois, le CREA est un centre d'éveil artistique. Depuis 14 ans que je travaille avec cette troupe de petits qui avaient 6 ans à l'époque, qui ont maintenant atteint l'adolescence et certains l'âge adulte, c'est de les emmener depuis donc 14 ans dans des aventures artistiques. Là, on est avec des jeunes qui ont vécu un travail artistique depuis 10 ans, 15 ans certains. Au CREA actuellement, nous avons environ 150 enfants. Des créateurs d'opéra depuis 15 ans. Se retrouvent après la classe pour chanter. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé à chercher un lieu pour installer un chœur d'enfants. Bouger sur scène et jouer dans des spectacles. Donc Didier Grosjean au CREA d'Aulnay-sous-Bois. Où nous sommes implantés, les œuvres sont reprises dans toute la France maintenant. On offra nos 20 ans en 2007. On a commencé en 87, ils avaient 6, 7, 8 ans, ils en ont plus de 23, 24, ils sont toujours là. C'est quand même, on a le cœur de jeunes qui est là et donc on peut faire un chemin d'éducation avec eux. Mon rêve, ce serait effectivement de créer enfin, au bout de 19 ans de travail, un centre national des arts artistiques. C'est-à-dire que là, je demande l'engagement politique national pour pouvoir, comme le centre national de la danse à Pantin, qu'on ait un centre national d'éveil artistique basé sur le chant, de façon à ce que dans toute la France, petit à petit, on puisse transmettre cette manière de faire et qui, en tout cas, permettrait d'avoir des adultes bien mieux construits et des adolescents alors bien dans leur basket, justement. Au centre d'éveil artistique, espace Prévert, 134 rue Anatole France, 93 600, Aulnay-sous-Bois. Nous découvrons non seulement le chant, mais aussi tous les arts de la scène. 23 jeunes d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne chantent, dansent. C'est le CREA, le centre d'éveil artistique d'Aulnay-sous-Bois dans la région parisienne, qui est à l'initiative du projet. Le centre d'éveil artistique, 85 rue Anatole France, à Aulnay-sous-Bois.
Yann est également notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Didier, vous êtes chanteur, vous êtes musicien, vous êtes créateur et directeur du CREA, qui est le centre régional d'éveil artistique, qui est situé à Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Ce sont des enfants que l'on épanouit artistiquement, uniquement dans l'objectif de faire des adolescents éveillés, passionnés par la culture. C'est-à-dire qu'on essaye de vraiment d'en faire des gens aux oreilles intelligentes, aux yeux curieux. Et moi, tu veux pas savoir ce que j'ai fait? Si je veux bien. J'ai vu Wolfi et j'ai joué avec lui. Bravo. Ils avancent, ils grandissent, ils s'assument et ils deviennent eux. Grâce à toutes ces rencontres qu'ils ont pu faire avec ces personnages, de Don Juan au Commandeur, de Figaro à la Reine de la Nuit, on est complètement dans notre action qui est de leur faire vivre le champ scénique. J'incarne la Reine de la Nuit. Moi je pensais que c'était plutôt un personnage sombre comme dans La Flûte Enchantée, mais Didier m'a dit que ce serait plutôt un personnage complètement fou. Je fais un double personnage en fait, qui est féminin du côté droit et masculin du côté gauche, Papageno, Papagena. Mais moi je pense au plus tard à l'enfant lui-même, c'est-à-dire que de toute sa vie à mon avis, il ne pourra jamais passer à côté du Requiem ou à côté des Noces de Figaro sans être ému ou en tout cas aller l'écouter. Je crois que ça c'est très 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 important. J'ai commencé le CREA à l'âge de 6 ans. Maintenant, j'ai 21 ans, donc ça commence à faire un petit bout de temps que j'y suis. À l'école, j'avais une instit qui travaillait avec Didier Grosjean. Donc j'étais en CE2, je crois, CE1, CE2. Secou. Bah, c'est pas tout à fait du théâtre, mais on joue, mais c'est plutôt chanté. Cette brave madame du stop, a fini la nuit au bloc. Elle était devenue pop, on va liquider ses stops. Pourquoi je suis jamais fatiguée. L'épanouissement dans la vie, enfin, être sociable, plus ouvert. Chaque rôle, entre guillemets, plus important, qui ont du texte, comme Fogg, comme Passepartout, sont joués par deux enfants qui, en plein milieu du spectacle, se passent à vue. Je sais pas, ça met en place une connivence et ça réintègre celui qui a été vedette tout de suite, au même titre que les autres, donc ça évite toute grosse tête et cheville enflée. Chaque année, le CREA commande à un compositeur un nouvel opéra, un moyen d'enrichir le répertoire et d'amener les jeunes à se confronter à la création musicale contemporaine. La qualité du travail est irréprochable, pour preuve les représentations données les années précédentes à l'Opéra Bastille ou à la Cité des Sciences de la Villette. Pour moi, le CREA, c'est... C'est unique, on le trouve nulle part ailleurs. Et quelque chose qui me permet de me libérer. Ça m'a appris à chanter alors qu'avant je ne savais absolument pas chanter. J'ai appris beaucoup de choses sur la variété française, sur le cinéma. Ça m'a appris à danser et à faire du théâtre alors qu'avant je ne savais rien faire de tout ça. Là je commence un peu à réussir à chanter toute seule, mais ce n'est pas encore ça. Ça a fait partie de mon équilibre très vite en fait. Mais je sais que sans le CREA, je suis encore plus timide. C'est vrai qu'au départ, j'étais très très timide. Moi, je suis moins timide qu'avant. Bah oui, moi aussi, je suis moins timide. C'est absolument éblouissant comme travail, c'est décidément... Formidable.
non seulement on trouve que les enfants évoluent, s'épanouissent, et je vous dis, ceux qui ont maintenant sont rentrés dans la vie active. Comme par hasard, si on fait une étude sociologique, on s'aperçoit que ces jeunes du CRA sont souvent dans des postes importants de communication. On bosse, puis dur, et puis des fois c'est même assez fort parce que. Mais ils acceptent, je crois qu'on sous-estime complètement l'enfant, complètement, parce que même à 5-6 ans, on peut être très exigeant sur ce qu'il fait. Ils nous surprennent toujours, parce qu'ils aiment bien qu'on puisse. Je ne crois pas à l'enfant spontanément créateur comme ça, qui va vous faire un truc sublime. Je crois que l'enfant, il est créateur, il est génial, s'il est nourri. Très expressif, du bout des doigts. Hein. Encore une question. Didier Grosjean, plus d'une centaine d'enfants sont inscrits au CREA, que vous dirigez à Aulnay-sous-Bois. Quels sont les critères pour y rentrer? Avoir envie. Point. Ça suffit? Ça suffit, oui. On n'est pas forcément obligé d'avoir fait du solfège avant, un instrument, etc. On a envie, c'est pas une obligation, c'est une envie. Se dire, bah tiens, je sais pas, par exemple, je sais pas lire les notes, bah, je vais les apprendre. On peut y rentrer en chantant faux. L'enfant qui ne chante pas juste, ça n'existe pas. Tout le monde peut y arriver, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant. Tout le monde fait tout. Tout le monde danse, tout le monde peut chanter. Tout le monde est capable de tout faire ici, quoi. C'est beaucoup mieux. C'est pas encore ça, mais c'est beaucoup mieux. Piano, vivez les sons. Ça devient musical. L'essentiel, c'est de les épanouir individuellement d'abord. En haut. Allez! Il y a des enfants qui ne chantent effectivement pas encore juste, mais ils sont là, ils sont vivants et ils sonnent avec leur corps. Et c'est théâtralement intéressant pour la mise en scène, pour que le spectacle se passe bien. Pour bien chanter, il faut mettre de l'émotion. Et pour en mettre de l'émotion, il faut être bien dans son corps. 2, 3, c'est tout ce travail qui a des prolongements réels en fait, sur la vie de chacun. Regarde-moi ça, on est des vieux papis, on dirait que je suis venu à un foyer club faire un peu de gym douce pour les petits vieux. Si l'un de nous se plaît, il se fait démolir. Il nous frappe, il nous fouette, font de nous des martyrs. L'intérêt, c'est tout simplement d'apprendre à sentir son corps, comment ils peuvent remédier si on est énervé, en colère, comment on peut se servir de sa respiration. Des jeunes de banlieue parisienne préparent actuellement un spectacle dans la grange de Villefavard, en Haute-Vienne, par le biais du centre d'éveil artistique d'Aulnay-sur-Bois, d'Aulnay-sur-Sous-Bois. 93 600 Aulnay-sous-Bois. Une initiative intéressante dans un contexte de crise des banlieues.
discours à la fois politique et poétique. Je pense que c'est ça en fait qui peut étonner les gens, c'est le fait justement qu'on soit, qu'on ait ce cadre de travail ici à Aulnay, en banlieue parisienne, dans le 93. Le spectacle s'intitule Rutabaga. C'est une œuvre qui rappelle l'histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des jeunes de banlieue qui en sont les principaux acteurs. Ils chantent, ils dansent et surtout ils s'éveillent à l'art et s'intéressent autrement aux autres. Dans un contexte de crise, l'idée est plutôt intéressante. Elle est signée le Centre d'éveil artistique de Aulnay-sous-Bois. Le spectacle qu'ils préparent dans la grange de Vif-Avard est encadré par des professionnels dans des disciplines aussi variées que la danse ou le chant. Je m'en vais. Qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Ces années 39-45 ont été riches en chansons devenues immortelles. Le centre d'éveil artistique d'Aulnay-sous-Bois aura réussi son pari en favorisant l'épanouissement individuel de tous ces jeunes qui partagent une aventure unique lorsqu'on sait que cette résidence d'artiste à Vif-Avard s'achèvera par l'enregistrement d'un CD avant une tournée dans plusieurs villes de France. Et la tournée commencera le 17 décembre par Vichy. Les enfants du Créa sont montés sur scène. Émus de chanter, ici et maintenant, grandis peut-être, plus mûrs sans doute, en tout cas, tellement heureux. Et si ça vous plaît, Rutabaga est en tournée le 11 mars prochain au Théâtre de Meaux en Seine-et-Marne, puis en mai à Saint-Quentin en Yvelines et à l'Auditorium de Saint-Germain-des-Prés à Paris. On voulait un truc très articulé, comme j'aime les pâtes, le pâté, j'aime les pâtes, le pâté et le pain. J'aime les pâtes, le pâté, très en colère. J'aime les pâtes, le pâté, secret, personnage. J'aime les pâtes, le pâté, encore plus secret. J'aime les pâtes, le pâté, fou. J'aime les pâtes, le pâté, gourmand dans les yeux. J'aime les pâtes, le pâté, le pain. Amusez-vous. C'est bien. Il y en a tout le monde. Oui, c'est bien. Inispa. Ah, elle va faire. Vas-y, fais-le moi in Espagne. Tu te poses, tu sais même tous, même pas entendre. In Espagne. Et lui, in Espagne. Il faut que ce soit différent. Fais-le, vas-y, toute seule. In Espagne. Oh, tiens le phrasé. In Espagne. Et un. In Espagne. Très beau. Et toi, t'es content, excité. In Espagne. Non, mais là, tu restes devant lui. Non, tu, non, mais. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas, non, lui, elle, je parle à sa fille, elle est à côté. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut se faire des copains qu'on peut pas se faire ailleurs. On s'amuse tous ensemble. Puis bon, bah, c'est bien, comme ça on est occupé pendant les vacances et puis bon, bah. Et puis on s'éclate, quoi. C'est vrai que c'est le créa et que je préfère le plus. Là-bas, remonte. Et là, respirez bien. Dans le crâne, amenez-le. Et joli, ouvrez-le.
Ici, on peut se tromper et puis on n'est pas ridiculisé, on n'est pas, enfin, les gens se moquent pas de nous, etc. Si vous êtes en difficulté, vous levez la main, c'est pas grave, vous raccrochez. Donc ça aide à prendre confiance en soi et puis ça aide beaucoup au niveau de l'adolescence. Jusqu'au moindre détail, tout doit être étudié, tout doit être étudié, tout doit être. Et je crois que c'est ça ce que le CREA, en tout cas, peut faire jurisprudence au niveau pédagogie nationale, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire un travail avec des professionnels et des informateurs en mêlant plaisir et rigueur, et que c'est pas du tout incompatible. Vous devez tout savoir, vous devez tout connaître. Vous devez tout savoir et ne rien oublier. Pas une page de l'histoire, vous ne cet apprentissage-là leur sert toute leur vie au niveau de leur scolarité, de leurs études. Je crois que c'est indispensable et que tout enfant devrait avoir cette approche artistique pour s'épanouir. C'est apprendre à s'écouter. Socialement, c'est une éducation. Enfin, grâce à la musique, on rencontre l'autre, on écoute l'autre, on aide l'autre, on le respecte. Et en même temps, toute cette vie de troupe qui fait qu'avec des enfants qui vous suivent pendant 10 ans, eh bien, il y a une vie sociale qui se met en place, une pratique culturelle qui se met en place et qui fait que ça fait des adolescents assez épanouis, qui savent de quoi ils parlent, qui ont une écoute, une tolérance qui est quand même... Et là, je dis que c'est simplement grâce au chant, oui. Effectivement, que c'est un point essentiel et que si tout le monde chantait... Mais... Vacances studieuses pour une quarantaine d'enfants âgés de 9 à 13 ans. Ils sont actuellement en stage à Cor en Isère. Un stage qui leur permet de vivre une passion, celle qu'ils partagent tous pour les arts. Ils sont chanteurs, acteurs ou danseurs. Là, on vit comme, alors c'est un peu prétentieux, mais comme une troupe professionnelle qui prépare, ou comme Molière sur les routes. Là, on s'en va, nous, en Savoie, travailler 15 jours isolés de façon à plonger avec les enfants, avec objectif, si possible, d'avoir un premier squelette et si possible un premier personnage un peu construit qui est notre spectacle. Ils ont entre 10 et 20 ans et ont passé leurs vacances en chantant à Saint-Jorioz en Haute-Savoie. Quinze jours de stage intensif à Saint-Jorioz et le médaillon brisé est devenu un vrai spectacle, le 11e monté par la compagnie CREA d'Aulnay-sous-Bois. On a aussi la chance de travailler avec des professionnels constamment et ça nous fait évoluer d'une manière exponentielle. Ils vont travailler avec tel compositeur, tel librettiste, tel metteur en scène, tel chorégraphe, telle costumière, tel scénographe, à chaque fois, on a un monde musical, un monde artistique qui est différent. Sachez, Stuart, qu'un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari. On a fait plusieurs stages où on a appris les textes, et donc là, on est en train de préparer la mise en scène. En 15 jours, deux de nos élèves disparaissent. D'abord Sorgue, et maintenant ma croix. Que dit le concierge ? Il ne s'est absenté à aucun moment de sa loge et n'a vu personne sortir de la pension. Et la police ? Je l'ai prévenu à l'arrivée. Normalement, quand on arrive au stage, tous les livrets sont écrits. Mais là, il y en a beaucoup d'enfants qui ont écrit les paroles des textes et qui commencent à écrire les dialogues. Pour te récompenser, je vais t'emmener chez la Reine de la Nuit qui est ma cousine. Wolfie, suis Barberina qui l'emmène au royaume de la Reine de la Nuit. C'est bien d'essayer d'apprendre, Jérémy. C'est vachement bien, t'as vachement appris depuis hier, mais... Pour l'instant, tu laisses tomber l'humeur. Tu t'accroches à ton texte, d'accord ? La carte carreau, je t'offre mon chapeau. Tu l'expliques vraiment bien, comme si tu expliquais la règle d'un jeu de société que tu as chez toi. Alors voilà, on va jouer tous les deux. Tu vois, il y a le plateau, il y a les dés, il y a le machin. Si tu tombes sur telle case, il faut recommencer. Là, je te donne un billet de 10 francs, etc. On marche pour aller quelque part. Je vais dire bonjour à François. Même exigence pour Armel Cornillon, chorégraphe professionnel. Il n'y a pas de sens.
Non, non, non. Tu vas quelque part. Cali, 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 Cali. Je suis Le cahier des charges, c'était la subtilité. Madame, je vous présente mes hommages. Pouvoir vraiment trouver le geste très classique et mettre l'énergie hip-hop. C'était d'être pur dans les deux styles. 5, 6, 7, 8. Ah ouais, ça s'appelle bien, encore. 5, 6, 7, 8. Ah ouais, ça pourrait être bien. Le hip-hop, en fait, je viens de commencer, j'en avais jamais fait avant. Le spectacle a une importance aussi, de préparer un spectacle ensemble. C'est un aboutissement, c'est une vie de troupe, c'est un projet. Ce qui me passionne, parce que ça aurait pu être une simple chorale, mais ce n'est pas une simple chorale, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être sur une scène, et la voix sur une scène, c'est d'autres dimensions, c'est encore d'autres ouvertures. À la fin de l'année, ou au bout de 8 mois de travail, quand on monte sur scène et qu'on réalise notre spectacle, qu'on a bossé pendant des heures tous ensemble, bah, c'est une satisfaction et une joie très forte. Je sais qu'un jour, les petits gars de Saint, je sais qu'un jour, les gars de la Villette, je sais qu'un jour, les gars d'un peu partout, regarderont alors, ce sera jour de fête. Tous les gars qui montent, ramènent leur bâton, tous ensemble iront maison et reviendront en chantant. Pour les plus petits, c'est l'éveil de la voix et du corps. Ils prennent l'habitude d'occuper la scène en chantant et dans quelques années, c'est eux qu'on applaudira dans les grands spectacles du Créa. Quand je suis au début, j'ai le trac, mais quand je suis partie dans mes chansons, dans mes trucs, j'ai plus du tout le trac. Voilà, mademoiselle. Qui c'est qui a passé ruban ? Moi, je les ai. T'en veux un ? Le jour du spectacle, c'est vrai que tout le monde a très peur. Il y en a un qui avait tellement chaud qu'il a failli tomber dans les pommes juste avant le spectacle. En ce moment, on est en train de monter un spectacle qui s'appelle Martin Squelette. On espère que ça se passera bien, mais on appréhende certaines scènes d'amour et tout ça, de réaction. Mais il faudra rester concentré, quoi. Sur le plateau, merde, Toy, Toy. Toy, amusez-vous. Mais avant cela, votre directeur a quelque chose à vous dire. Ça m'apporte beaucoup de bonheur parce que, en tout cas, travailler, j'ai travaillé des adultes beaucoup, c'est intéressant, c'est vrai. Mais je trouve que par rapport au travail, à la passion que l'on peut transmettre aux enfants, ils le rendent, mais alors d'une manière magique, magique. Et ça porte. Thank you.
puisse avoir le grand départ. Et s'il avait voulu traverser l'Atlantique, et s'il avait choisi de vivre en Amérique. Thank you, sir. Goodbye. New York, Washington, Chicago. Boogie woogie, viens d'abord, company B. Nous attendons la nuit pour voler à la tour, et un peu moins sans bruit, sans bruit. Et dans le danger, nous y serons les rois, nous suivrons le chemin, guidés par les étoiles, j'ai resté votre roi. Jouez avec un moi, dans ce pénitencier, quel sera votre sort? La mer est capricieuse, vous allez vous noyer, c'est notre unique chance. Fondation même, c'est vraiment pas de sélection, l'émulation par le plaisir de faire et la reconnaissance des autres. We'll be right back.
juste, on peut encore s'inscrire l'année prochaine, si vous voulez ou pas. Le Centre d'éveil artistique, 85 rue Anatole France, à Aulnay-sous-Bois.